mes amis scrappeurs et scrappeuses. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit colis qui est destiné à Ange Coco. Claudine, c'est pour la remercier de tout ce qu'elle m'a envoyé pour mon anniversaire et pour Noël. Donc, je lui ai préparé une petite carte, bien sûr, toute simple avec une petite fleur de poinsettia. Après, je lui ai fait un petit carnet. Alors, j'ai retrouvé dans mes reliques ce petit ange parce qu'elle adore les anges et c'est pas pour rien qu'elle a appelé sa chaîne Ange Coco. Voilà. Après, là, je lui ai préparé des découpes et des tamponnages. C'est essentiellement de Noël. Bon, c'est passé, mais avant de ranger, ben, j'ai tenu parce qu'il y en a que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, donc j'ai tenu à les faire et à lui envoyer. Comme ça, pour l'année prochaine, ben, elle aura des petites choses d'arrivée. Donc ça, c'est la petite fleur de poinsettia qu'on a eue dans le calendrier de l'Avent de chez F Déco. D'accord? Après, j'en ai remis deux autres un petit peu plus grosses, dont une que j'ai fait sur du papier brillant. Ça, c'est une découpe que j'avais fait venir de chez Alina Craft, de chez Tonton Ali. Ainsi que celle-ci. Hein. Donc, j'ai juste mis deux petits points de colle à chaque endroit, un petit coup de lame de cutter par-dessous, et elle pourra les décoller. Là, je lui ai fait toute une série de flocons. Hein, couleur argentée. Il y en a même quelques-uns dans du brillant. Là, je lui ai fait les petits bonnets du Père Noël et des lutins. Hein, donc c'est pareil. Hein. Ça peut même se mettre sur des ATC, des Memory Decks un peu. Là, je lui ai fait deux découpes que j'avais. Enfin, c'est des découpes que j'avais depuis un moment. Et celle-ci, c'est une découpe qu'on a eue aussi dans le calendrier de l'Avent de chez F Déco. Donc je lui ai fait dans du papier brillant argenté. Après, je lui ai mis encore quelques petites découpes. Ça, c'est une découpe. Je crois que ça vient de chez F Déco. Hein, ouais. Je lui ai mis des petits sapins. Alors, tout ça vient du calendrier de l'Avent de l'année 2018 de chez Carglass. Donc, les quatre petits sapins, les petits bonhommes et le petit sapin dans sa boule. Voilà. Là, c'est une découpe que j'ai reçue, que j'ai fait venir de chez AliExpress. Alors, elle décollera, elle est autocollante celle-ci. Hein. Il faudra qu'elle décolle simplement l'arrière et elle pourra l'utiliser, le coller directement sur sa création. Hein. Voilà. Si elle veut que je lui découpe des cartons, je peux le faire et pourra faire une shaker. Il n'y a pas de souci, Claudine. Et je lui ai mis des tamponnages. Donc, je lui ai mis des tamponnages de bonne année, meilleurs vœux. Là, c'était un tampon que j'avais. Pardon, je vais peut-être remonter un petit peu. Un tampon que j'avais gagné lors d'un concours Caroline Création. Hein. Voilà, j'aime bien. C'est des petites phrases faciles à mettre. Ces deux-là en font partie. Ça, c'est des tampons que j'ai fait venir. Donc, qui servent pour préparer Noël ou si on fait un calendrier de l'Avent. Voilà. Et ces deux-là, ainsi que ça, c'est des tampons de chez Asa. Hein. Donc, soit tu peux les photocopier si tu as la machine là qui fait le brillant, la Mink, je crois. Les photocopier dans une imprimerie, puis après les passer à la Mink, ou soit tu les mets comme ça. Hein. Voilà. Donc. Ben là, elle aura quelques petites bricoles pour commencer. Et puis, comme Claudine. Oui, ben je ramasserai ça après, c'est pas grave. Comme Claudine aime bien les défis, ben je lui ai fait un défi qu'elle vous lira elle-même. Alors, c'est un défi que je lui ai préparé avec une collection de chez Ecopark. C'est Alice.
Hein. Donc, comme elle a plein de petites filles, bon, elle en a trois chez Pamela, plus une autre, je crois. Elle parle beaucoup de Matisse. Je pense que c'est la petite sœur à Matisse, l'autre, mais je ne suis pas certaine. Hein. Donc, là, il y a les die-cuts. Et là, il y a les dots. Hein. Donc, je pense qu'avec ça... Et à l'intérieur de cette collection, il y a aussi toute une planche de stickers. Donc, moi, chez Copark, en général, les stickers, je les colle sur du papier blanc, puis je les redécoupe après. Bon, après, elle fera ce qu'elle veut. Elle peut les coller directement... comme elle veut. Mais comme elle a beaucoup de petites filles, je pensais qu'Alice, puis comme elle y va bientôt en vacances, ça pouvait être bienvenu. Donc, elle vous lira le défi. Donc, ben, je vous dis à bientôt, les amis. Au revoir.